cette journée qui sera très très belle. C'est la première édition au sein de USEN, mais nous sommes sûrs que les années à venir, vous verrez que ça va aller de mieux en mieux. La journée qui nous réunit aujourd'hui, la Journée internationale des femmes, le 8 mars, c'est une journée qui est célébrée par toutes les femmes du monde entier. Et chaque année, il y a un thème. Cette année, le thème, c'est l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. Elle appelle également à l'action climatique pour les femmes. Ça, c'est l'UNIFEM qui a lancé cet appel. Avec les dernières données, nous comprenons maintenant le lien vital qui existe entre le genre, l'équité sociale et les changements climatiques. Et nous reconnaissons que sans égalité des sexes, aujourd'hui, un avenir durable où prévaut l'égalité restera hors de notre portée. Les femmes et les filles subissent les plus forts impacts de la crise climatique, car celle-ci amplifie les inégalités existantes entre les sexes et met la vie et les moyens de subsistance des femmes en danger. Dans le monde entier, les femmes dépendent davantage des ressources naturelles et l'Université du Sine Saloum en est la preuve. Bien que l'accès à celles-ci soit moindre, elles portent souvent une responsabilité disproportionnée dans l'obtention de la nourriture, dans l'obtention de l'eau et dans l'obtention du carburant. Alors, les femmes et les filles doivent porter le fardeau des impacts climatiques. Elles jouent également un rôle essentiel dans l'orientation et la stimulation des changements en matière d'adaptation, d'atténuation, de solutions aux contraintes d'ordre climatique. Donc, sans la participation active de ces femmes, représentant plus de la moitié de la population mondiale, il est peu probable que l'on puisse, dans l'avenir, disposer de solutions en matière de durabilité et d'égalité des sexes dans le monde. L'inégalité entre les deux sexes et la crise climatique sont donc deux défis les plus urgents qui doivent être relevés. Maintenant, nous comprenons mieux et établissons les liens essentiels entre les questions de genre, l'équité sociale et les changements climatiques. Il est temps d'agir et de trouver des solutions. Et dans ce contexte, l'Université du Sine Saloum, bien qu'étant jeune, s'inscrit dans son programme annuel la célébration de cette journée en faveur du droit des femmes. Ces femmes réunies en collectif au sein de l'université mettent l'accent sur le civisme. Nous venons tout juste de voir ce que la levée des couleurs et ce que la fanfare nous a donné. Et nous continuerons tout à l'heure avec le service à la communauté, avec le don de sang. Et depuis quand parle-t-on de cette journée du 8 mars? La création de la journée du 8 mars a été proposée pour la première fois en 1910. C'était lors d'une conférence internationale par des femmes socialistes. Et c'est une certaine Clara Zetkin qui s'est inscrite dans une perspective révolutionnaire. La date n'a pas été encore fixée. Et c'est à partir de 1917, avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg, que la tradition de 8 mars se met en place. Et après 1945, la Journée internationale des femmes devient une tradition dans le monde et jusqu'à nos jours. Et en 1977, l'Organisation des Nations Unies inscrit cette date pour la célébrer un peu partout dans le monde. Donc cette journée doit permettre à toute femme d'assurer un suivi progressif et l'amélioration de la condition de la femme et de mesurer son implication dans l'évolution de l'humanité. Le thème de 2022, je le disais tout à l'heure, l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable et l'appel à l'action climatique pour les femmes par les femmes. Ce thème place donc l'innovation par les femmes, les filles et pour les femmes au cœur de tout ce que nous devons faire. Et pour arriver à l'égalité de ces sexes, le thème choisi nous invite tous à apprécier la pleine mesure du chemin parcouru, mais également à apprécier ce qu'il reste à faire. Au Sénégal, on se rappelle. Au Sénégal, on doit même célébrer deux jours.
On doit se rappeler toujours le 7 mars 1820, ce qu'on appelle Talata Inder. Et aujourd'hui, on est 8 mars également Talata. C'est également l'occasion pour nous, femmes de l'enseignement de façon globale et femmes des universités et du Sénégal, de prendre conscience de l'ensemble des défis qui restent à relever. Chaque année, comme vous le savez, on pointe du doigt encore les souffrances vécues par nos sœurs, relayées par la presse mondiale et les réseaux sociaux. Plusieurs cas de violences faites aux femmes. Cette année encore, nous avons vu ici dans notre pays la violence faite aux femmes et le cas des sages-femmes. Hier, elles ont fait une marche pour dire non à la violence faite aux femmes. Nous, ici à USN, nous disons également non pour cette violence. Nous devons croire fortement au potentiel des femmes et particulièrement à celle de l'USN. Elles méritent plus de pouvoir, plus d'autonomie. Il faut pour cela d'abord garantir que les besoins et les expériences des femmes soient intégrés dans les technologies et les innovations. Nous avons vu ce que les filles et les étudiantes ont fait dans les coopératives de USN. Bravo pour tout ce que vous faites. Cela signifie que vous participez aux solutions intelligentes qui dépassent la simple reconnaissance des écarts entre les sexes pour répondre aux besoins des hommes et des femmes de manière équitable. Bravo les étudiantes. En définitive, le monde aura besoin d'innovations capables de rompre le cours normal des choses au plan économique. Ce business as usual, comme on a l'habitude de dire, se prête à la façon dont la technologie est utilisée et par qui et qui y a accès, et en veillant à ce que les femmes et les filles jouent un rôle déterminant dans les secteurs émergents. Et vous, les filles et les femmes de USN, vous êtes dans cette dynamique. Nous devons avoir des engagements concrets envers les femmes et les filles dans les STEM et dans les solutions climatiques équitables pour les sexes, afin qu'ils puissent renforcer le leadership féminin dans l'économie verte, dans la résilience des femmes et des filles face aux impacts et aux catastrophes, aussi d'augmenter l'utilisation des données sur l'égalité des sexes et sur le climat. Au Sénégal, les femmes font la fierté de notre pays. Plus de 50%, nous devons demeurer les femmes volontaires, nous devons demeurer des femmes persévérantes. Nous sommes avec un leadership fort, mais nous ne devons pas avoir d'arrogance. Nous voudrions vous dire que toutes les femmes doivent avoir pleinement foi en elles et à leur potentiel. Personnellement, je réitère mon soutien à toutes nos femmes. Digène Nyokoyar, merci de votre attention. Le conseil départemental voudrait partager avec vous cette possibilité, cette capacité de link à l'international, et nous espérons bientôt pouvoir le concrétiser avec notre partenaire de la région de l'Oriental sur lequel vous êtes en train de travailler avec le président. C'est quelques mots que je voudrais placer et laisser nos vaillantes femmes savourer cette journée du 8 mars. Vous l'avez dit tantôt, moi je dis souvent à mes dames que amoulen fayda. On vous donne 365 jours, vous en extirpez la journée du 8 mars. Prenez 365 jours pour mettre devant et vous mettre à la disposition de ce pays ce talent inné que vous avez et qui peut, j'en suis sûr, j'en suis certain, permettre à ce pays d'aller très vite de l'avant. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de volonté et de prédisposition. Moi, je suis de ceux qui sont certains et qui sont convaincus qu'avec le potentiel de nos femmes, et avec plus de pouvoir mis à leur disposition, ce pays va aller de l'avant très vite et au bonheur de tout le monde. Je vous remercie. Moi, quand je parle de femmes, je pense immédiatement à la famille. Dans toute famille, la femme est au cœur. La femme, elle est mère, elle est épouse, elle est sœur, elle est cuisinière, elle est ménagère. Donc quand la femme se porte bien, tout va. Donc protégeons la femme, donnons plus de pouvoir aux femmes et elles vont changer le monde. Donnons plus de pouvoir aux femmes et elles vont changer le monde. Merci beaucoup. Mais nous considérons qu'on est honoré du 1er janvier au 31 décembre. Il s'agit simplement de marquer un point d'un parcours qui a été différemment marqué quelque part et en différents temps.
Et aujourd'hui au Sénégal, on devait même fêter la femme le 7 mars parce qu'il y a Talata Nder. Quelque part ailleurs c'est le 19 mars, quelque part ailleurs c'est le 11 et aujourd'hui nous avons choisi le 8. Pour dire simplement que ce 8 mars est quand même déterminant. On n'a pas une journée pour une dame parce qu'une journée ne nous suffit pas pour dire tout ce que nous voulons dire. Mais simplement, peut-être après les remerciements, dire que cette journée devrait nous permettre de jeter un coup d'œil, d'interroger l'histoire pour dire qu'est-ce qui s'est réellement passé, mais aussi de se poser des questions par rapport à notre futur. Interroger l'histoire, c'est de dire que certainement des dames ont perdu la vie. Certainement des dames ont réussi quelque part et dans tout cela, quel est l'héritage que ces dames nous ont légué. Peut-être réfléchir par rapport au futur pour dire aujourd'hui est-ce qu'il est possible et il doit l'être d'allier notre rôle dans la société parce que nous avons déjà une place bien déterminée au niveau de la société. C'est la place d'être mère, d'être épouse et d'être amie quelque part. Je crois que ça nous devons maintenir. Et maintenant, l'autre élément qui n'est pas trop sûr, c'est de pouvoir jouer pleinement notre rôle dans la société. On y est, mais quand même, je crois qu'il reste des pas à franchir. Aujourd'hui, on parle de parité, mais chères sœurs, ne soyons pas peut-être bernés par le mot. La parité, moi j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas un homme, une femme, mais la parité réside dans la qualité des services que les femmes sont aptes à donner à la société, pour tout le monde et particulièrement à la société sénégalaise. Et pour cela, il nous faut renforcer nos capacités, qu'on ne se leurre pas. Il nous faut des compétences. Ce n'est pas parce que madame est recteur de l'université que l'objectif est atteint. Elle doit travailler à remplir tout ce qui est attendu d'elle et à faire plus, parce qu'en plus d'être recteur, elle est maman et elle est épouse. Donc sur ce, je crois que la réflexion, elle est ouverte. Et je mets dans le panier de tout cela, quelles compétences pour pouvoir jouer pleinement notre rôle. On va réfléchir toute la journée, nous allons réfléchir tout le mois et il est permis même de réfléchir toute l'année. Merci beaucoup. L'équipe du laboratoire de l'hôpital régional de Kaolack, oui, avec Dr Dia. Là, c'est ici que les étudiants passent en premier temps pour qu'on prenne les renseignements par rapport à leur
qui les maladies chroniques, s'il y a des maladies chroniques, comprennent aussi leur constante, le poids, parce que le poids doit être supérieur à 50 kg, ainsi que les chiffres tensionnels pour voir, pour éviter qu'il y ait des complications après qu'ils aient donné le sang. Voilà, c'est la première étape. Après, il y a deux préleveurs techniciens qui font des prélèvements ici, différemment, pour les poches de sang. Voilà. Là, ils font les prélèvements directement ici. Mais ceux qui ne valident pas la première étape ne passent pas ici. Voilà. Je veux dire qu'avec le don de sang, on va vous faire votre groupage sanguin. Et connaître son groupe sanguin est très important pour tout individu. Donc, avec le don de sang, on va faire le groupage, on va rechercher toutes les maladies potentielles chroniques pour vous accompagner dans cela. Donc, le bénéfice individuel, il est là et il est énorme. En plus du bénéfice collectif, parce que vous allez participer à sauver d'autres vies. Et ce don aujourd'hui, qui est lié avec la journée du 8 mars, a une singularité, parce que ce sont les femmes qui ont initié ce don. Pourquoi les femmes? Les femmes sont les mères, les femmes sont les sœurs. Quand quelqu'un est malade dans une famille, les premières personnes qui se mettent en première position, ce sont les femmes. Donc, vous les garçons, nous vous exhortons à honorer la journée de la femme et à venir massivement donner un tout petit peu de votre sang. Merci beaucoup. Je suis venu participer à la journée du 8 mars des femmes de Lucerne. C'est symbolique ce 8 mars, mais comme vous le savez, la femme, elle est célébrée toute l'année, toute une vie. Et au nom de Monsieur le Directeur, je souhaite plein succès à ces journées. Cette journée qui magnifie et qui unit l'utile à l'agréable. On a eu à participer à une levée de couleur qui est un acte hautement symbolique, un acte civique. Et actuellement, on est à une cérémonie de don de sang. Et ce soir, certainement, on va également visionner un film documentaire qui magnifie les valeurs de la femme. Et au nom de Monsieur le Directeur Magasin, je souhaite plein succès à ces journées pour les femmes de Lucerne. À l'occasion de la journée internationale de la célébration de la femme, l'amicale des étudiants du campus de Kaolack vous donne ce cadeau en témoignage de votre travail, de votre gratitude. Voilà. Et nous vous disons que toutes les femmes méritent d'être célébrées parce que vous êtes nos mamans et qu'à chaque fois vous nous inculquez de bons savoirs. Donc, en tout cas, c'est un cadeau en guise de remerciement pour tout le travail que vous avez fait dans cette université. Merci. Merci beaucoup. Personnellement, je suis comblée. Et avec moi, toutes les femmes de USN sont également comblées par ce geste. Ce geste qui montre vraiment que USN est une famille. Et une famille, c'est toutes ces composantes. Les étudiants, les pères, nous devons tous travailler la main dans la main pour la réussite au sein de notre institution. Et vous, les étudiants, vous êtes en train de le montrer. Ce matin, j'étais en réunion avec le directeur de l'ARTP pour vous accompagner également. Je lui disais que si le Sénégal veut chercher des jeunes résilients, venez à USN. La résilience se trouve à USN. Vous avez accepté de travailler dans des conditions qui sont très difficiles. Vous n'avez pas de locaux pédagogiques, vous n'avez pas de locaux sociaux parce que vous êtes en train de faire le tour un peu partout. Mais malgré tout cela, vous croyez en vous et vous travaillez. Et sachez que toute l'administration et tous les enseignants ici réunis se feront comme
un bloc pour vous accompagner, Inch'Allah, pour que vous réussissiez. Nous voulons vraiment que vous soyez des modèles, parce que nous voulons venir d'ici 3 ans, 5 ans, vous trouver, Madame Dour va venir vous trouver, et demander son alarba, de même que Monsieur le EG Prof Tchao. Donc il faut qu'on vous accompagne et que vous soyez vraiment des leaders. Je parle bien de leader. Leader, c'est il faut être leader dans la vie. Et vous êtes sur la bonne voie. Et nous prions le Tout-Puissant pour qu'il vous accompagne, pour que vous soyez vraiment accompli. Que vous ayez une réussite au plan social et mais également au plan professionnel. Amin. Oui. Merci beaucoup. Bari bari mike ko warana.